Check it. Déshabillez-moi. Alors aujourd'hui, je vais composer un look printemps 2017 qui commence à faire un peu meilleur et j'ai envie de couleur. Je sais pas vous, mais moi oui. Ah voilà. Le jaune du printemps, ça c'est très tentant. Bon, ça c'est un jaune qui claque, hein. Il faut pouvoir assumer. Mais il est vraiment, vraiment sympa. Bon, ça c'est un départ. Alors j'ai envie de trouver un pantalon bleu, vraiment un bleu vibrant, comme ce jaune est très fort. Donc on y va, on va chercher ça. C'est vraiment ce bleu. Bien claque, claque. Alors, mon idée c'est de trouver du rouge maintenant. Vraiment utiliser les trois couleurs jaune, bleu et rouge. Et faire un look qui détonne un petit peu. Voilà. Ça prend forme. C'est vraiment les couleurs que j'avais envie de trouver aujourd'hui et d'associer. Donc je suis très contente. Ici, on dirait. Toutes les couleurs. Alors, reste à trouver une chaussure. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. C'est d'inspiration londonienne, gothique, chic. C'est superbe. Ah, personnellement, je suis impatiente de voir ce look sur Marco. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir le look de Marco. Et bien voilà, Marco, entre nous deux. En effet, oui, là, on est printemps, mais on est surtout coloré. On est surtout coloré. Alors ici, j'ai voulu montrer un look vraiment composé principalement de trois couleurs. Enfin, les trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Oui. Okay. Alors, bon, forcément, ça détonne apparemment, vous l'avez vu. Alors ça détonne aussi parce que quand on crée des harmonies de couleurs aussi franches, ici en l'occurrence, bon, dans mon jargon, on appelle ça une harmonie équilatérale. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont aux trois opposés sur la roue des couleurs, ça va donner une image dynamique. Je suis partie de la veste jaune, c'est vraiment ce jaune que j'ai trouvé très intéressant et qui a été vu sur tous les défilés aussi comme une des couleurs phares du printemps 2017. Donc c'était le départ, le jaune, et puis voilà, l'envie de travailler avec le bleu et le rouge qui y répondent, je trouve assez bien. Ce que je trouve intéressant, c'est ce t-shirt. Oui, alors là, bon, j'ai eu de la chance, je dirais, de trouver ce t-shirt parce qu'il regroupe toutes les couleurs. Il en ajoute même, hein, il y a même du vert en plus dans ce t-shirt. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que comme on a déjà trois couleurs, on ajoute du noir et du blanc, pas plus, parce que sinon ça devient vraiment trop. Attendez, donc si on ajoute trois couleurs, le blanc et le noir ne comptent pas. Voilà. C'est ça, je me rappelle, vous l'avez déjà dit, ça, déjà en dit, effet. Donc ici... Le blanc ne compte pas, d'accord. Alors, cette chaussure, j'ai envie de dire que je la trouve quand même habillée. Ouais. Par rapport à son look d'ensemble, là. Oui. Donc c'était de nouveau pour casser. Je vous vois venir, oui, exactement. On a quelque chose d'assez sportif. Donc la chaussure habillée, bon, elle est habillée, mais elle est quand même rock. Oui. Elle vient contrecarrer ce côté plus jeune et plus sportif. Oui, la casquette, c'est l'indispensable. Alors, à vos la yeux. Casquette, sincèrement, a été aussi l'accessoire vu sur tous les défilés hommes 2017. La casquette et le bob. Il m'est arrivé de faire le contraire, de créer un look assez sobre avec des accessoires qui ont des couleurs flash. Ici, on a un bon exemple d'avoir un look qui est dans des couleurs assez fortes, assez puissantes, mais on accessoirise avec des couleurs neutres, du noir. Voilà, on calme un peu le reste. On a parlé coloris, on a parlé du noir, du blanc, des accessoires. Parlez-moi un petit peu des matières. Plus spécifiquement, de la matière de la veste et du pantalon. Alors, c'est intéressant ce que vous me posez comme question, parce que la veste est vraiment en matière kawé. Donc ça, c'est aussi une matière qui revient beaucoup, qu'on voit dans beaucoup de marques. Aussi les matières de ciré. Donc voilà, vinyle, ciré ou kawé. Pour le reste, on a du coton. On reste toujours dans du confort, une certaine simplicité, sobriété. Non, très chouette, franchement très chouette. Et alors oui, vous allez le décliner dans quel terme?
quand c'est très coloré comme ça, j'ai envie toujours de dire pop. Ça fait vraiment penser à cet univers. Pop okay. Chic. Pop chic. Ouais. Oui, pourquoi pas. Pop chic.